Bonjour à tous, bienvenue sur Plastik Dream, comment allez-vous les copains? Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 1er octobre, le temps passe vite. Nous voilà déjà au mois d'octobre, dans 3 mois c'est Noël. Salut Thomas, Cocaine, salut JC, Renaud, Amiens, Olivier, Jérôme, Didier, Christophe, Gérard, Xavier, Dominique, Papy Guil et Ange. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, parce qu'il fait beau, c'est sans doute un des derniers dimanches où il fait beau, donc on en profite pour se promener un peu. Mais bon, moi je suis sorti ce matin, j'ai plein de trucs, après-midi, maquette. Salut Patrick! Salut Nicolas. On va attendre un tout petit peu. On va commencer par 2 revues de boîte. J'ai reçu 2 kits là. C'est pas des revues que je vais faire le mercredi là, parce que c'est des revues où il n'y a pas de promo et puis j'ai eu ça chez Passion, mais c'est pas des boîtes pour laquelle il va y avoir des promos de fête quoi. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les boîtes. Moi c'est des kits que je vais monter sur la chaîne. Je vais monter ça soit en direct, soit je fais des vidéos, enfin peu importe. Mais c'est des kits qui m'intéressent. On va regarder ça. Puis après, on va bricoler un peu sur le Tomcat, évidemment, pour terminer l'après-midi, tranquillement. Hein, salut Quentin, salut Algoflash, Frédéric, BZH, hein, ça va aller plus vite, Image et son 5-5, merci à toi, Mougli, Arnaud, Nassim, salut Nassim, Laurent, merci pour tous ces conseils pour les vidéos, mais je suis super content d'avoir fait tout ça, et que ça te plaise, et que ça t'aide surtout. Salut Alain Debré, ah bah tiens, il est là Alain Debré. Comment ça va? Et Didier. Alain Debré fait plus de politique, ça y est, c'est fini. T'as la retraite. Et un autre Didier, encore Didier. On va monter, je te dis, on va monter le club des Didier. On est une bonne... Quand tout le monde est là, on est au moins une vingtaine de Didier. Donc... Salut Julien. Gros bobo tête, lendemain des 40 ans de ma femme. Ah bah oui. Salut Arnaud. Salut Didier. Ah, Didier. On va les numéroter. Et salut Eric. Alors j'ai mis ça là, pourquoi? Parce que je vais vous montrer un truc, un petit cadeau qu'on m'a fait hier. Regardez bien. Alors attention, c'est unique. Hein. Vous n'avez jamais vu ça sur YouTube. Vous êtes prêts? Alors regardez bien. Tasse noire. Alright? Tasse noire. Regardez bien. Hein. Tisane, chaude, regardez bien, vous allez être émerveillés. Bon, moi il me faut pas grand chose pour m'amuser, hein, mais après bon, chacun, vous êtes prêts? C'est parti. Regardez bien, hein. Il y a un petit temps de, regardez bien. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Le Spitfire de Clostermann. Regardez-moi ça. Avec le petit logo Plastik Dream. Regardez-moi ça. Regarde. Sergent Pierre Clostermann. Ma nouvelle tasse à tisane. Hein, ah, qu'est-ce que t'en penses? Eh, elle est contente, elle est contente. Regarde, regarde. Sympa la tata, ça. Je suis content, il ne faut pas grand-chose pour moi de heureux. Parce que comme ça, ça a fait ma journée hier, ça a fait ma journée aujourd'hui. Un cadeau de Luciano. Oui, voilà. Salut Jean-Philippe, Dimitri, bonne fête à tous les grands-pères. Ah bon, pourquoi c'est la fête des grands-pères aujourd'hui? C'est vrai? Ouais, vous avez vu ça, c'est sympa, hein? Je fais de la magie, bah ouais, il y a un peu de magie quand même. Salut David. Vous avez vu ça, c'est chouette, hein? Et au fur et à mesure que je le bois, hop, le Spitfire, il redisparaît. Hein, trop cool. Merci encore pour le petit cadeau. C'est vraiment sympa. Ok, bon, bah, je vais la remettre là, puis ça, je vais la ranger, parce que je l'avais sorti exprès pour ça. J'ai une tasse de ce genre-là, mais c'est un Père Noël qui finit en slip. Ah bah oui. C'est bien aussi, mais je préfère le Spitfire. Hein, quand même. Bon, toi, à plus, ciao. Faut qu'elle bosse un peu. Ah, c'est la fête des grands-pères, je savais pas. Bah, ils m'ont pas appelé, les petits-fils, ils doivent pas être au courant. Salut Philippe. J'ai paré avec des tanks, les enfants s'émerveillent à chaque fois, par contre, pas la même secrétaire à la maison. Ah bah oui, bah écoute, je peux faire des locations, hein, je peux la louer si tu veux. Une journée ou deux, bon, tu vois, un week-end, je te fais un prix de gros et puis voilà. Trop bien. Ça existe avec le Rafale, mais ça existe avec tout ce qu'on veut, parce que c'est une image qu'il faut... T'envoies une image et puis tu vois, tu reçois la tasse quelques jours après, l'image que tu veux. Donc tu peux faire avec un Rafale, bah oui. En plus, j'ai l'impression qu'elle est meilleure, la tisane, comme ça. Dans une tasse Clostermann, j'ai l'impression que c'est meilleur. C'est psychologique, vous croyez? Bon, on va regarder voici deux maquettes. Enfin, on ne pourra pas faire des revues, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Alors, Floppy, voilà, si tu regardes le replay, c'est pas des chars, c'est des avions. Hein, tu sais que moi, je préfère les avions, même si j'aime bien faire un char de temps en temps et tout ça, mais... On va commencer par le premier. Alors, c'est la première fois que j'ai une boîte comme ça dans les mains. Ça va, le son, il n'est pas trop fort. Je baisse un petit peu parce que moi, ça me... Voilà, 40, ça va bien. 40, c'est bien. Salut, Jade. Attention à Miss Rousseau. Ouais, oh. Eh. Rousseau, qu'elle aille se faire cuire un œuf. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Bon, oui, alors la première maquette qu'on va regarder ensemble, c'est ça. Zoukei-Mura. Le TA-152H. Fokke Wolf. Hein. J'ai jamais eu de boîte comme ça, donc, enfin de cette marque-là. Donc on va regarder ça, puis c'est un appareil que j'adore dans sa forme, dans sa, tout ça. Donc ça, je le montrerai assez rapidement, enfin quand on aura... Faut quand même dégager tout ce qu'on fait. Hein. Alors je passe en mode coucou le revoilou, voilà. Donc c'est une petite boîte, hein, elle n'est pas très très grande. Ok, je crois qu'ils l'ont sorti aussi au 32. Là c'est au 48, donc tu vois, ça promet, hein, il paraît qu'il y a plein de petits trucs sympathiques là-dedans. On va regarder ça. Salut Xavier. Alors, toutes les grappes sont emballées individuellement, déjà c'est pas mal. On va mettre ça de l'autre côté, yes. Et la notice, yes. On va mettre ça là, comme ça je vais pouvoir ranger au fur et à mesure. Hop, voilà. Donc on va regarder d'abord la notice. Quentin, Didier, j'ai commandé le F4U1 Corsair Tamiya 132. Oh, génial! Salut Pascal! Ah, toi, t'as le BF 109 G14 de Zoukei. Il paraît qu'il est bien aussi. Hein. Salut Ours! Salut Thierry! Alors, voilà la notice. Peut-être que je peux me rapprocher. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, comme ça, ça sera bien. Hein? Yes. Ok, donc en, je sais pas, chinois, coréen, machin, et en anglais. J'adore cet avion. Que déjà, il a une envergure d'aile, mais c'est un truc de fou. Hein. Et puis son long nez, là, tu vois, c'est un 190, hein, l'arrière, mais tu vois, le long nez du D9, là, encore un peu plus long, même. Voilà, alors, la planche décale. Ouh, qui a l'air plutôt pas mal, hein. C'est un tout petit peu épais. Et puis, ah si, il y a les croix gammées mais qui sont un peu coupées. Bon, ok. Pas de problème. Salut Arnaud, salut Torex, salut Tony. Didier Lang, jamais monté de Zoukei, bah moi non plus, c'est la première fois. Donc là, les peintures sont en... Bon là, Valero. Et Mr Color. Mais il y a le nom complet, hein, tu vois, RLM83, RLM70, RLM82. Donc bon, on peut les perdre dans toutes les gammes. Les avions allemands, c'est assez, assez fastoche. Hein. Une explication sur le Fokke Wolf en anglais. Je verrai ça plus tard. Parfait. Et on commence. Alors, l'intérieur du cockpit, évidemment, on commence toujours par le cockpit, en règle générale, dans les avions. Hein. Ah, il est là, mon Floppy. Comment ça va? Bah, t'as raté le... T'as raté ça, là. L'allumage. Le moment de magie. Salut David Picard, comment tu vas? Salut Jean-Luc. Voilà, donc on commence toujours souvent, oui, bah, par le cockpit. Hein. Il a l'air assez bien détaillé, on regardera tout à l'heure la finesse des pièces. Ok. Ok, alors j'essaie de voir. Là, il y a le réservoir en dessous. Alors les indications de couleur sont là, tu vois, c'est les petits pots de peinture, les petits biberons en miniature avec le numéro là, impeccable. Voilà, des schémas bien, tu vois, left side view là, pour bien positionner les choses. Ok, je regarde si on voit déjà des... Les ceintures, par exemple les harnais là. Non, ok, pas de harnais. Des petits décales, c'est les trucs ronds là. Ronds comme ça, c'est les décales, ok. Donc là sur le tableau de bord, 2 décales à poser, d'accord. On continue, là on attaque le moteur. Ok. Là aussi différentes choses, toutes les références de peinture, des vues de côté qui peuvent être intéressantes pour les assemblages de différentes pièces, les alignements. Bon, tout le monde a l'air d'aller bien, c'est parfait. Ok. Le moteur aussi, lui, a l'air assez complet aussi, a l'air assez sympa. Ok, alors il n'y a toujours pas de harnais sur le siège. Ok, on colle le moteur sur le siège. Différents petits instruments sur les parois latérales. Alors habituellement, the internal body of German aircraft, enfin l'intérieur des avions allemands était en RLM02, yes. Mais à la fin de la guerre, ils étaient souvent une painted, donc silver, couleur argent, couleur métal, quoi. Ok, donc il y a le choix. On assemble ensuite la queue, vous voyez que même à l'intérieur de la queue, il y a les différents éléments internes. Là, on ferme la queue, donc les différents éléments internes... On les voit absolument pas. Ce qui est dommage. Pas dommage pour moi, parce que moi j'aime pas laisser des avions ouverts, j'aime pas laisser des moteurs apparents, etc. J'aime bien moi. Quand je monte un avion, c'est la ligne générale de l'avion qui me plaît beaucoup. Hein. Tu vois. Bon. Après, ça peut m'arriver de monter un moteur, un avion avec moteur apparent, des trappes ouvertes, tout ça. Mais là, il faut que je le mette sur un diorama avec des mécanos et tout ça. Il faut qu'il y ait un contexte. Mais là, ce qui me plaît dans le TA-152, c'est la ligne pure de l'avion. Donc je ne vais pas laisser apparent le moteur et je ne vais pas laisser apparent enfin les trappes, etc. Donc pour moi c'est pas trop grave, mais pour celui qui aime bien, tu vois, c'est dommage là parce que tout est détaillé dans la queue alors qu'il n'y a pas de trappe, rien pour qu'on puisse voir. Bref, continuons. Les ailes, intrados, extrados, ici, toujours les références de peinture, etc. Donc en espérant tout ça, ça semble parfaitement bien. Hein. Salut Gérard, salut Arthur, Jean-Pascal. On colle ensuite le fuselage avec le moteur, etc. Le cockpit sur les 2 demi-ailes. Les capots moteurs à mettre en place. Très bien. Différents petits éléments au-dessous des ailes. J'imagine que c'est des contrepoids, non? Yes, ok. Étape 19, on continue. Étape 20, les filtres. On commence à mettre le moteur, les plaques moteurs, les ailerons, voilà, hein, la dérive, on travaille un peu sur la dérive, on travaille un peu sur les trains. Ça a l'air là aussi pas mal détaillé. Donc apparemment il y a un petit truc, tu vois, pour les mettre en place, là, il faut les mettre comme ça, puis les tourner à un coup sec pour pouvoir les enclencher et qu'ils tiennent bien. Ok, parfait. Il y a là cette petite trappe qu'on peut laisser ouverte sur la queue. Mais on verra pas tout ce qui a été posé ici. Là. On n'oublie pas les pouces, les gars. Ouais, on est à 30 pouces, 35 pouces. Voilà, donc mise en place des trains principaux. Alors, 82 degrés, là, tu vois, ouais, c'est vrai qu'ils sont un petit peu... Tu vois, ça aussi, le profil, c'est pratique pour bien mettre en place le puits de train. On travaille sur l'hélice, la casserole d'hélice, les volets. On peut laisser ouvert, hein, ou fermer, hein. Il y a les deux positions. Ensuite, le cockpit. Alors pourquoi il y a F3 et A21 là? D'accord, oui, la 21 en dessous, ça, la partie vitrée au-dessus, d'accord, d'accord, d'accord. Vous voyez un résumé ici. Parfait. Puis on va travailler ensuite sur la verrière principale. Donc là aussi, il y aura du masquage, évidemment. On peut la laisser ouverte ou fermée, hein. Il y a les petits schémas ici. Les différentes petites antennes en dessous, au-dessus, etc. Il y en a quand même pas mal là en dessous, hein. Et 0.32 completion, on va dire, l'appareil est complet. Et en haut, vous avez toujours, hein, toutes les pages, vous avez un résumé des teintes que vous avez besoin pour la page qui est là, quoi. La page en dessous. Ok. Boum. Ici, un résumé des grappes. On va regarder ça juste après. Et puis ici, bah, le schéma de camouflage. Okay, avec la mise en place des décales aussi. Donc un petit résumé, comment mettre les décales, ok. Non Nassim, c'est la première fois, j'ai jamais monté. Salut Gino. Première fois que je vais monter une Zoukei-Mura, hein. Voilà. Donc là il y a le schéma de peinture. Il n'y a malheureusement aucune indication sur ce que c'est cet appareil, de quelle unité, etc. À moins que c'était au début, que je ne l'ai pas vu. Non, là c'est général, et là c'est également général, et donc il n'y a pas d'indication, tu vois, de quelle unité, etc., pour ce schéma. Ça doit être facilement trouvable, j'imagine. Zoukei-Mura, 4 pouces, super, oui, je regarde des fois, je dirais des bêtises, hein, mais non, il n'y a absolument aucune indication de ce que ça peut être. Ok, très bien. Bon, notice, ça n'a pas l'air pas si mal que ça. Un nouvel avion pour digérer la tarte d'hier. Ouais. Salut Mike. Non, ça va, elle est bien digérée la tarte. Elle a descendu tout seul. Impeccable. Donc, allez, on va regarder les grappes, les copains. Alors. Alors, cette marque a plutôt en général bonne réputation. Alors, on voit ici les ailes. Bon, on va un petit peu... Oui, non, peut-être pas. Comme ça, c'est bien. Comme ça. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de détails, hein. Donc là, c'est tout rifté. C'est quand même pas mal. Il y aura un peu de nettoyage de pièces, il y a un peu de flash. Ok, La gravure est correcte, mais dans la moulure, il y a quand même pas mal de nettoyage sur tous les côtés. Là, il va falloir penser un peu tout ça. Mais c'est pas un souci. Voilà qu'ils aient laissé attacher, ça aurait pu être une option pour les laisser ouvert. Vous voyez sur les jambes de train, il y a des petits câbles aussi. Hein. Donc attention, quand on va détacher tout ça, il y a un petit peu de nettoyage là évidemment à faire. Non, c'est plutôt correct, hein. C'est plutôt pas mal. Salut Michael. Ça ressemble quand même à une notice Tamiya. Tu trouves? Bah, la notice Tamiya a déjà le grand avantage d'être en français. Il y a un peu de français dans la notice Tamiya, pas dans celle-là. Hein. Donc ça, vous avez vu là, la grappe que je viens de vous montrer, c'est l'aile droite. L'aile gauche, c'est la même grappe, mais inversée. Je ne vais pas vous la montrer. On va regarder le fuselage. Hein. Et puis à la bonne vôtre, hein, avec ma nouvelle tasse. Salut Yann, salut Philippe. Ça fait plaisir que vous soyez là. Ok. Alors voilà. Cockpit, voilà le dessous. Fuselage. Non, la gravure est chouette. Hein. Il y a pas mal de petits détails. Tout est bien rifté comme il faut. Le plastique a l'air assez sympa à travailler, assez tendre. Queue. Ça, c'est les petits éléments qu'on va mettre à l'intérieur de la pièce, là, de la queue. Juste là, qui ne se verront pas du tout. Bon. Mais celui qui veut faire un TA-152 vraiment en train de bricoler, avec les mécanos qui bricolent dessus, toute trappe ouverte, parce que vous voyez, si vous ouvrez, le cockpit est là. Hein. Si vous ouvrez les trappes ici, là, et puis bah celle-là, elle est déjà ouverte. Là, vous voyez en dessous tous les réservoirs. Hein, tous les réservoirs, ils sont dans la maquette. Hein. Tu vois, le réservoir derrière pilote et le réservoir en dessous du pilote. Donc, vous pourrez... ça sera visible, quoi. Hein. Donc, il y a quand même quoi faire. Hein. Vous pouvez détacher la queue aussi. Tu vois, bah, vous pourrez faire un tas de trucs. Hein. Franchement, très chouette. C'est un montage que pour moi, Gérald, parce que j'adore cet appareil. Alors, j'ai déjà monté un TA-152, alors pas celui-là, c'était un... Académie, je crois. Mais c'était il y a longtemps, et il est chez moi, là-bas dans le Nord. Et je crois qu'il y a 2 cm de poussière de puce. Je crois que j'ai dû le monter dans les années 85-86. Donc je me dis là, ici à Paris, pour ma petite collection perso, ça serait quand même sympa que j'en refasse ça. Et comme j'avais jamais monté de de Zoukei-Mura, je me suis dit c'est peut-être la bonne occasion. Ok, alors. Autre grappe, il y a un peu de flash, notamment sur les toutes petites fines pièces. Voilà. Mais bon, en étant patient, en grattant un peu. Hein. Voilà, encore des éléments en dessous, ça c'est des éléments de structure de toute l'aile, tous les longerons. Et puis les réservoirs qui sont là. Hein. Voilà. Le plancher du cockpit. Le siège pilote. Alors vous avez vu que il n'y a pas du tout de... Je regarde sur la planche décale. Il n'y a pas du tout de harnais. Hein. Donc je regarde sur la planche décale. Zéro harnais. Donc à commander des harnais à pair. Et puis ça m'étonne rien que vous trouverez des harnais spéciales pour le TA-152. Mais pour le Fokke Wolf 190, c'est les mêmes. Il n'y a pas de... Tu vois. Voilà, donc tableau de bord, planche latérale, qui sont bien en relief, bien gravés. Il y a un décal à poser là-dessus. Chouette. Salut Emilien. Là, j'ai répondu déjà Emilien. Ouais, c'est ça l'avantage d'arriver. D'arriver au début des directs. Alors, Derrière grappe. Mais oui, Emilien, oui, oui. On va bricoler un peu après. Le moteur. Ouais. Donc l'hélice, casserole d'hélice. Ah, et puis le moteur a l'air assez pas mal détaillé. Hein. Tu vois, petite pipe d'échappement. Il faudra percer un peu. Voilà les petits trucs. Bon, ça a dégrappé, il faut y aller mollo, mollo, mollo. Mais pareil, pour celui qui va vouloir laisser le moteur apparent, il y a de quoi faire un truc sympathique. Hein. Tu vois, les grilles sont très joliment reproduites. Là. Très très fin. Hein. Et ça encore, hein, c'est pas une maquette de Zoukei-Mura qui est sortie le mois dernier. Hein. C'est assez ancien, hein. C'est un moule assez ancien. Donc, je suis sûr que les plus récents, enfin les maquettes les plus récentes, ça doit être encore mieux. Hein. Pas mal. On va regarder la grappe transparente. Salut Michel. Anthony, Zoukei-Mura m'a l'air chouette, mais pas ultra facile. Ah ouais, t'as entendu ça? Bon, ça devrait aller. Salut Michel. Alors, dernière grappe, c'est la grappe transparente. C'est bien protégé, avec un peu de mousse, vous pouvez le voir, hop, sympa, hein, voilà, très joli, très très joli, voilà. Et puis ici avec le viseur, hein. Il y a de quoi faire une très 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 jolie maquette, hein. Ça se monte bien, même s'il y a un peu de travail, bon, ça devrait faire l'affaire. Génial. Salut Philippe. Je commande un pan de mon Tomcat. Ah bah moi je le passe pas aujourd'hui, Emilien. Aujourd'hui on va sûrement continuer à préparer les pièces du cockpit, préparer les dernières pièces, toi, pour tout dégrapper, quoi, tout ce qui reste. Voilà, donc, très chouette maquette. Si vous avez l'occasion, pas excessivement cher en plus. Et puis c'est un appareil, moi je le trouve magnifique. Hein, la forme de cet engin, puis la surface à l'air qui est gigantesque. Top! Super Wing Series au 148, alors le numéro de la boîte, parce que je sais qu'on va me le demander. 1, 1, 1. Super Wing Series 148, numéro 2. C'est le seul numéro qu'il y a. Ok. Salut Philippe. Salut Ludovic. Salut Nassim. Oui, il y a toujours un replay, ouais. Salut Jean-Luc. Alors, je mets ça de côté, on va la ranger tout à l'heure, dans le stock. Une autre maquette qu'on va regarder un petit peu avant ce qu'il y a dedans, là. Alors je sais que je crois qu'il y avait une revue, je ne l'ai pas regardée, mais je crois qu'il y avait une revue sur les coloniques du blindage. C'est ça, ouais. Ah oui, je viens ici. Stuka de chez Border Model, version G1, G2, au 1/35e, avec une superbe... Le box art est magnifique. Hein. Alors, PE included, full intérieur, engine, cockpit, transparent par, bah oui. Et 2 schémas de camouflage. Bon, on va regarder ça vite fait. Hein. Salut Luc, salut Serge. Arnaud, de grandes ailes pour accrocher les dernières molécules d'air de la haute altitude. Oui, bah oui, il pouvait monter vachement haut. Hein. Ok, alors. Mollo, mollo, mollo. Alors, grappe transparente. Il y en a un paquet, là, il y a deux jeux là-dedans, j'ai l'impression. Grappe emballée individuellement. Parfait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes, plus les deux transparentes. Et puis ça. Voilà. Donc on va mettre ça de côté, on va le mettre là juste en face peut-être. Comme ça je peux ranger mon plastique dedans. Oui, Algoflash, ouais, j'ai pensé à toi quand j'ai dit la boîte. Tu l'avais fait planter debout là, ouais. Le Stuka est super. Tu dis que le ballon est magnifique parce qu'un avion dégomme des chars. Bah oui, hein. Mon petit Floppy. Mais non, il l'a raté, regarde. Il faut bien qu'il tire à côté là. Il est sain et sauf le char, t'inquiète pas. Alors Jean-Luc, question concernant le H4 Longbow. Les pièces transparentes sous le rotor. Il y a des pièces transparentes sous le rotor. C'est écrit sur la notice, Jean-Luc, hein. Je vois pas ce que tu veux dire, les pièces transparentes sous le rotor. Alors, il y a deux petites choses qu'on va regarder après. Qu'est-ce que c'est? Oh, une jolie figurine. Sympa. Une planche de photodécoupe. On va mettre tout ça là dans le fond, on va bien garder ça parce que c'est pas la planche des éclats qui est de chez Border Model, surtout certainement parce qu'il n'y a pas de truc. Il y a l'écran gammé, ok. Tableau de bord, tableau de bord, ça va suivant les versions j'imagine. Il n'y a pas beaucoup de stencils je trouve. Hein. Il n'y a pas plus de stencils que ça sur un Stuka. J'ai un doute. Hein. Ok, bon, allez, on met ça de côté. Parfait. Posez là. Ouais, Floppy, il a acheté un... Quand il est sorti de la maison hier, il est parti avec sa femme chez... Comment? Chez Fifi, Euromaquette. Et après, il a envoyé une photo, il avait acheté un char, évidemment. Bah oui, il s'est fait un petit plaisir. Un char tigre. Alors, on va regarder la notice. Hein. Ok. Enfin, pleine notice, format A4, mais allongé, là. Salut, Jean-Jacques. Salut, Steve. Justement, il faut pas mal travailler le cockpit avant et le poste radio-mitrailleur pour avoir un bon rendu. Les livrets du Stuka sont superbes. Oui, j'ai plein de trucs en tête. J'ai même un bouquin, je crois, avec que des livrets de Stuka. Faudra que je choisisse une sympa, quitte à racheter une planche décale ou je sais pas quoi. Le point faible du kit, Algo, tu dis que c'est quoi, toi? Alors, go. Le moteur. Donc on attaque direct. Sur le haut du fuselage, juste sous le rotor. Bon, pour le longbow, le cockpit. Ok, Algoflash, on va regarder ça. Sur le haut du fuselage, juste sous le rotor, j'ai regardé plein de photos. J'attends la vidéo de peinture, ouais, elle est en ligne déjà, mais elle sortira. Tu veux que je te dise la date? Mais j'ai pas souvenir qu'il y a des parties transparentes en dessous des rotors. C'est ça que je comprends pas. Alors, la prochaine sort normalement le 14 octobre. Mais je vais aller le chercher l'appareil, excusez-moi les gars, je vais faire un petit... on va aider notre ami Jean-Luc pour lui montrer et qu'il me montre un peu parce que ça me, je suis perplexe. Alors je vais le chercher, il est dans la vitrine juste derrière. Alors, attention trucage. C'est beau, hein? Bon, c'est quoi que tu appelles les parties transparentes sous le rotor? Est-ce que Jean-Luc, tu veux dire que c'est ça? Ça là? Ici? Là? Parce que là, il n'y a pas nos parties transparentes, on est d'accord. Hein? Donc tu veux dire ça ici? Ah, j'attends que Jean-Luc nous répond. Alors, le poste radiomitrailleur sur le Stuka, le G41, est à revoir, ainsi que son alimentation en bande munitions. Ok. Le vrai problème, c'est que j'ai plus envie de faire le tir que de finir mon T80. Ah, il est dur le T80, mon floppy. Il est dur. Salut Nick. Salut Francis. J'attends la réponse de notre ami Jean-Luc. Hein. Mais comme il y a à peu près 30 secondes de décalage, il faut laisser notre ami Jean-Luc répondre. On peut peut-être aller faire un tout petit tour sur le Discord en attendant. Voilà. Alors Gérald. Les personnages prennent place sur son montage, ah, sympa. Gérard, c'est parti pour la mise en peinture. Ah, génial, tu vas encore nous faire un petit Guillaume magnifique, puis tu prends des photos extraordinaires, hein, c'est génial ça. Ça c'est vraiment top. Hein. Ça va être génial. Top, bravo Gérard. Mets-le de profil, nous dit notre ami Jean-Luc. Ok, de profil. Alors, les parties transparentes du rotor. Ah, je sais ce que tu veux dire. Tu veux dire ça, là? Eh ben, si c'est ça, Jean-Luc, des pointes de mascol. Trouve des photos du vrai. Moi, j'en ai trouvé sur Internet, j'en ai trouvé plein. Je veux pas faire les recherches à ta place. Hein, tu vois, c'est un, c'est des senseurs. Donc, tu as juste la partie arrière, là, qui est vitrée, c'est tout. Tout le reste, c'est mis en couleur normale, classique, quoi. Comme là, j'ai mis, tu vois, y compris l'autre de l'autre côté, là. Voilà. Tu l'as peint quand? Tu parles de quoi de ça? Ben, la vidéo est pas encore sortie, Coco. J'en garde un peu sous le coude. Hein. Je veux pas sortir 40 vidéos dans la semaine, tu vois. Ça, ça sort le 14 octobre, je crois. Mais là, je montrais à notre ami Jean-Luc qui se posait une question. Salut Yves, tu vas bien? Voilà. Donc tu mets juste une pointe de mascol, mais franchement, hein, c'est vraiment une petite pièce. Donc là, tu vois, vu la taille de l'engin, regarde un peu le bazar. Si tu oublies de mettre le... ça se verra pas. Hein. En plus, tu as tout le rotor, tout ce qui vient au-dessus, là. Donc c'est pas le genre de truc, tu vois, voilà. Tu vois, on voit bien la peinture. Le travail de peinture, tu vois, quand on le voit de loin, comme ça... Mais je suis content parce que ça fait pareil sur les photos. Hein. Quand tu le vois de loin, tu te dis, bah, il est cette couleur-là, quoi, olive d'érable. Et puis quand tu regardes bien, tu vois, on voit plein de petites variations et tout, là. Donc je suis très content de mon travail. Enfin, bref, j'arrive, je pose ça, on retourne sur notre petit Stuka. Zou, c'est parti. Au pire, je vais manger un bout de tarte. Arrête, t'es comme moi, t'as encore 10 kits que t'as pas fini. Hein. Il paraît sombre. Envisages-tu de faire une patine? Oui, je vais faire un jus, certainement, et puis éclairer. J'ai encore un peu de boulot là-dessus. Hein. Mais il n'est pas sombre, hein. Regarde les photos. Enfin, celui que je veux, tu verras dans la vidéo, celui que je vais représenter, il est un peu comme ça. Hein. Jean-Luc Véron. Ok, merci, c'est moi qui t'ai envoyé les photos de moteurs détaillés. Ah oui, 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 mais comme j'ai pas fait les moteurs... Oui, je comprends, je me souviens, Jean-Luc, oui. Merci à toi. Oui, oui, c'est de près, c'est les éclairages aussi, tu sais. Enfin bref, donc voilà le moteur du Stuka. Ok. Il y a un peu de PE, là, d'ailleurs. La plaque de blindage. Alright. Le filtre à air en dessous. Mise en place de tout ça dans le cockpit, dans le fuselage. Fuselage qui est assemblé ici, très bien. Mise en place des pipes d'échappement. Là, on commence sur le fuselage avant. Donc, le siège, d'accord. Ça, c'est censé être PE1, PE12, c'est censé être les harnais de sécurité. Ah ouais, ouais, c'est un peu... Il va falloir bosser. Est-ce qu'ils ont fait des trucs en résine là-dessus? Ils ont fait des ajouts possibles à l'achat, des choses comme ça? Edward, ils ont dû faire des trucs là-dessus. Parce que là, les ceintures, laisse tomber. Hein. C'est deux tiges de métal bien droites, bien raides, là. C'est vrai, il a raison, notre ami Algoflash. Hein. C'est un peu juste. Hein. Il a de la mémoire, le chef, hein, pas tellement. Hein. Crois-moi que ça se barre en sucette. Hein. Bref, oui, c'est un peu juste. L'intérieur d'un cockpit, enfin l'intérieur des doubles postes là, sur le Stuka, il est quand même sacrément plus garni. Hein. Bon, on verra. On fera un peu de recherche, on fera un peu de scratch, on regardera ce qui se fait chez Edward. Voilà, on bricolera un truc. Ok. Mise en place de la dérive. Alright. Salut Patrick. Ensuite, les ailes. On travaille sur le dessous d'habitude, les volets, il y a aussi un peu de PE sur les filtres, des petits trous à percer. Ok. Alors, aile droite, aile gauche. Ok. Ensuite, on travaille sur la verrière. Alors, optional part, ok. Ouais, il va falloir quand même une bonne doc. Hein. Parce que je vois qu'il y a plein de parties optionnelles, mais ils ne disent pas du tout pour quelle version, quel machin, quel ci, quel là. Donc il va falloir qu'on se débrouille un tout petit peu par nous-mêmes. Hein. Ok. Les verrières, ok. Ouais, les deux mitrailleuses aussi, c'est léger. Hein. Moi, je suis sûr qu'Edward a dû sortir un truc, non? Et ensuite, on assemble tout ça. Donc, le nez, évidemment. Les verrières. On travaille sur les tableaux de bord. All right. Mise en place de l'hélice. Ok, deux grosses mitrailleuses en dessous, là, hein, les mitrailleuses en dessous des ailes, là, sont énormes, hein, sur le G1 et le G2. C'est des canons, hein, c'est pas des, tu vois, c'est des trucs assez gros. Les carénages de roues, là. On met tout ça en place sous le modèle. C'est une maquette de Stuka, n'est-ce pas Didier, ou un carnet de chez Arfix? Non, non, pas du tout, c'est une maquette de Stuka de chez, pardon, de chez Border Model au 1/35e. Moi j'attends le Spit MK5 de Cotard, celui de Douglas Bader. Dès qu'il arrive, je fonce. Ah oui, ça va être sympa, ça, au 32. Hein. Ça va être un sacré truc. Hein. Voilà. Et puis pour finir, eh ben, on met en place le cockpit, yes. Voilà. Alors ensuite, les schémas. Ah, là, c'est le Stuka de Kirks Rudel, pardon, je dis Rudel. Sans la Svatiska. Donc un G1. Ok, et il y en a un autre. L'appareil sans la Zvatiska. Un autre appareil aussi de Rudel. Hein. Donc là il est sympa, ouais, je préfère celui-là parce que tu vois avec les trucs jaunes là. Ça ajoute un petit peu de toit en bout des ailes. Et puis la Svatiska, elle est sur la planche des câlins. Voilà, une petite pub pour le matos Border Model. Très bien. Et puis voilà, roule ma poule. Le cockpit est un peu léger. Un peu de taf sur le cockpit. Alors... Ah oui. Par contre, la gravure est top, hein. Rivet positif, négatif. Salut Xavier. Tu vois, la gravure, putain. Voilà. Là, tu as plein de rivets positifs. Donc, tu vois, avec le doigt, je le sens, là. Hein, ça... Et là, plein de rivets négatifs. La gravure est super chouette, hein. Waouh. Ouais, tu vois, elle passe radio. Là aussi, il y a une gravure avec un petit travail de peinture, c'est sympa. Il faudra rajouter la croix gammée. Oui, elle est dispo sur la planche décale, donc il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois le tableau de bord. Effectivement, on pourra investir en VMG, en résine, des choses comme ça. Ça va faire une belle pièce au 35. Alors les ailes. Voilà aussi, hein. Voilà, t'as du positif, je le sens sous le doigt, tu vois, t'as des rivets positifs autour de la petite trappe, là. Ouais, sur les trappes, c'est du positif. En dehors des trappes, c'est du négatif. Là aussi, hein, sur les longerons. Tu vois, je sens au doigt, là. Hein. Donc la gravure, top. Hein. Franchement... Alors après, c'est un truc qui pourrait, j'avais pensé, hein, mais qui pourrait être posé sur mon Famo avec la remorque, là. J'ai des photos comme ça, j'en avais une dans le coin, là. Avec un Stuka, avec les ailes enlevées, bien sûr. Hein. Les ailes sont mises sur, dans des caissons en bois sur le côté. Et le Stuka, il est tout du long surposé sur la remorque du Famo. Et comme j'ai un Famo à 35e, là, ça pourrait peut-être faire un truc sympa, tu vois. Top, top, top. Salut Bertrand, comment tu vas? Tu bats sur ton L4? Voilà, les fuselages. Ok. Bah là aussi, hein. Gravure impeccable, hein. Là aussi, hein, positif, négatif. On va laisser la caméra faire un peu son... Voilà. La gravure, elle est top, hein. Génial, elle a mis un petit effet de texture là, c'est top, hein. Le Famo relèvera le niveau de l'avion. Oh, c'est l'inverse, hein, Coco. Attends. Ah, Floppy et ses engins à roulettes. Voilà. Alors le moteur. Voilà pour le petit moteur, etc. Les pales. Les hélices. Cool. Il est comment l'assemblage? Ah bah ça, Kikinous, je pourrais te le dire quand je l'aurai monté. Alors, ah bah, ok. Il reste une dernière grappe qui est du même gabarit, hein. Je ne vais pas vous la déballer, mais c'est la même chose, hein. Il y a une bombe de dispo, les pneus qui ont cet effet de poids là, c'est sympa. Les deux grosses mitrailleuses en tout, oui, c'est impeccable. On va par contre ouvrir la grappe avec la verrière. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Donc ouais, donc le masquage des verrières pour un Stuka, il ne faut pas être allergique au masquage, hein, parce que c'est des cages d'oiseaux, comme on appelle ça, tu vois, il y a des montants partout, hein. Donc c'est comme sur le BF 110, il faut être patient, hein. Et là, cette échelle, c'est masquage intérieur, masquage extérieur. Voilà, puis vous avez le reste ici, hein, avec le post-mitrailleur arrière. Mais ça a de bonne facture, hein. Ça va être nickel, ça. On va bien protéger ça. Je vais peut-être mettre lui-même un petit peu de... Comment ? On va envelopper d'un petit bout de papier. T'achètes les masques? Oui, si je trouve, oui. Puis si c'est pas trop cher, oui. Sinon, je le masquerai moi-même, hein. On va regarder la petite résine. Voilà, j'ai protégé ça avec un petit bout de sopalin. On ne protège jamais trop. La petite planche de photodécoupe. Il n'y a pas grand chose. Donc deux armées ridicules qu'il va falloir changer ou faire soi-même quoi, hein, parce que là. Il n'y a même pas les petites ceintures du siège arrière là. Voilà, et puis la petite résine, petit cadeau bonus. Cette petite figurine là, ouais, résine hein, évidemment. Chouette, chouette, chouette. Très sympa. Alors il a les bras comment? Ah, il est en train de remonter ses petites manches, quoi, tu vois, genre la classe quoi. Alright, ok, bah c'est parfait ça, nickel. Bienvenue. Bon, cool. Content d'avoir eu cette maquette. On va la mettre de côté et puis évidemment ça aussi on va la monter ensemble hein, les copains. On va faire ça tout seul dans mon coin. Ah bah tiens il y a un Panzer 4 là, Floppy, t'as vu là? Là il y a un P4. Et là il y a un char russe qui va se faire dégommer la tête. Voilà, parfait. Bon, on va mettre de côté, on va avoir le temps dans le stock. Border Model, et le numéro de la boîte, c'est le BF109. C'est écrit en gros là. Voilà, on met ça de côté. Ça va être du plus, quoi. Après 10 années de blindé, je suis passé du côté obscur, je me... à faire des avions. Non, c'est l'inverse, Jean-Luc. Le côté obscur, c'est les blindés. Le côté Yoda, c'est les avions. Ça vole. Yoda, il vole. Voilà. Donc pendant des années, tu as été du côté obscur et là, tu rejoins le côté lumineux de la force. Ah bah, tu vas y arriver, Xavier. Tu as changé de main ou... T'as plus les mêmes doigts, tu t'es fait greffer des mains. Bon, allez, je prépare pour le Tomcat. Alors, on prépare la boîte, on prépare tout ça. Il y a quelques photos aussi sur le Discord, allez voir. Ça va être sympa. Je vais vous montrer où j'en étais arrivé, donc, pour faire un petit rappel à ceux qui étaient absents. Prépare tout ça. Je me remets, ma tasse elle est redevenue noire, vous avez vu, parce qu'il n'y a plus de tisane, bah oui, oui. Donc Didier va remettre un peu de tisane chaude là-dedans. Alors on est comment là, on est à 135, waouh, et seulement 63 likes. Bon, vous appréciez pas beaucoup. Vous n'avez pas apprécié les revues de boîte, j'aurais peut-être dû faire ça dans une autre vidéo. C'est pas la Mirabelle, ce sont mes gros doigts. Je resterai toujours du côté de Floppy. Ah bah ouais, ouais. C'est le côté obscur de la force, avec Darmador et tout ça. Et, tu vois. Nous c'est la force. Après, Plastik Dream est né avec les avions. Pendant 3 ans, j'ai pas fait un seul char. Tu vois ? Voilà, bon, on y va. Vous êtes prêts ? Assez rigolé, on passe aux choses sérieuses. Hein. Trouve une chaîne comme Plastik Dream comme Plastik Dream avec que des blindés. Francophone, hein? Évidemment qu'il y a Night Shift, vous avez tout Night Shift en tête. Francophone, il n'y a pas. Le seul, c'est Bibi. Le Bibi, c'est les avions. Alors, voilà où on en était. Ok, on a, la dernière fois, on avait mis les aimants là, pour pouvoir mettre les petits. Voilà. Voilà, attaché. Hein? Tac, tac, tac. Pour ça, ils ont été pensés, ils ont été... J'ai mis un peu de comment, de poutis pour bien, tu vois, voilà, soit bien nickel. Là aussi un peu de poutis, là aussi un peu de poutis pour que la pointe à le nez il soit parfait. Ok, voilà. J'ai reçu, j'ai commandé et reçu le petit patch Tomcat. Alright. Et ça, ça va être sur le... Et bah, au final, on va le poser donc comme le veut le client. Hein. Donc il va y avoir ça. Alright. Posé sur une belle planche en bois bien vernie, jolie planche, tu vois. Voilà. Ça, on va le poser donc comme ça. Ok. Et ça posé, genre collé, hein, comme ça. Voilà. Et là, devant une étiquette plastique, enfin, tu vois, un peu devant là. F-14 Tomcat-A, USS, je sais plus quel porte-avions c'est d'ailleurs. Bref, le nom de la toile, VF31, machin, voilà. Ok. Donc ça, on va le mettre de côté. Right. Ça aussi, mon piquet, on va le mettre de côté, on va le mettre là. Ça, on va le ranger. Et on va commencer. On va dégrapper tout le reste. Il y a plein de choses que je n'ai pas dégrappées, comme par exemple au-dessus du cockpit, là, tu vois, on a les... la casquette, ici, il y a encore plein de petites bricoles. Donc tout ça, dégrappé, derrière les deux dérives qui n'ont pas été dégrappées, etc. Les avionneux sont avares. Ah bah voilà, 83 maintenant. Voilà. Merci les gars, c'est gentil. Ouais, c'est la force, bah oui. Évidemment que vous aviez. Ben c'est ça, moi quand les avions je veux me reposer, tu vois, je monte un char parce que c'est fastoche. Tu vois, c'est le repos quoi. C'est dommage qu'une fois posé, on ne voit plus le détail du rail dessous. Bah ben, on le voit sur le côté, on regarde jamais un diorama de cette comme ça quoi. Là tu le vois parce que c'est la caméra, je filme. Mais quand le diorama il sera chez le client, ou si tu le vois un jour en expo, tu vas jamais le regarder comme ça, à moins que tu voles par-dessus, que tu sois un petit pigeon. Mais si t'es pas un petit pigeon, un petit canari, tu vas le voir plutôt comme ça. Enfin, je vais pas te faire un exemple, mais tu le vois à peu près comme ça. Voilà. T'as compris le principe. Gérald, tu mets plus la catapulte, Didier. Oh, ben on en a parlé la dernière fois, j'ai tout expliqué. Je ne vais pas recommencer, Gérald. Ok, sinon je deviens dingue. Je deviens dingo, sinon. Alors, je fais le tour et on va commencer à tout ce qu'on n'a pas dégrappé. Tout ça c'est fait, tout ça c'est fait, tout ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est monté. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est dégrappé, prêt à mettre en peinture sur des petits pics. Tout ça c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. La dernière fois, on avait fait la catapulte, yes. Les trappes, ici, on les a fait, yes. Ça, on a fait, ça, on a fait. Ça, on les met pas, c'est sur la version D. Ça, on a fait, ça, on a fait. Toutes les trappes de train, on les a fait. Ça, on les a fait. Yes. Ça, c'est fait. On n'a pas fait ça. Ici, le C2. Donc, c'est ça. Plus ça en dessous. Ça, on n'a pas fait, donc ça, on va le faire. Salut Dragoon, tu vas bien? Dragoon de Lorraine. C'est pour pas confondre avec Dragoon de Belgique, Dragoon de Bretagne et Dragoon du Cotentin. Allez, j'attaque D8, D5. P9, yes. D8, D5, P. Donc D et P. M. Alors j'espère que vous avez de la chance comme moi, que vous maquettez un peu. Vous êtes en train de maqueter là? D. Alors D8, D5, on y va. D8, D5 et P9. P9 est juste là. Ah, Floppy, t'es là? Je suis un peu covidé, je suis amorphe. Ah merde, c'est chiant ça. Oh, j'ai eu ça la semaine dernière, c'est pas sympa. Pas bon. Un coup de froid, un coup de machin, un petit coup de vent et puis hop. Alors, j'ai eu des nouveaux petits bâtons de ponçage. Alors j'ai eu ça de chez Hamo et j'ai eu ça de chez Flexifil, je crois qu'il fait ça. Je vais tester. Même ça, là, les petits trucs de chez Hamo, là, je vais tester ça, et puis si c'est bien, je vous en ferai une petite pub. Il faut d'abord que je teste. Alors ça, c'est un peu rude, c'est 100. Oui, Floppy, je suis là. Bon, ben, dis à Aude que j'ai fait 3 pots de confiture de quoi? 3 pots entiers. Et j'ai fait confiture de coin à la cannelle. Parce que moi, j'adore la cannelle. Je suis de schnorr, hein, donc tu vois. Donc ce matin, j'ai fait ça, j'ai les épluchés très tôt, là. Et après, ça a compoté au sucre pendant 4 heures, pratiquement. Et là, je les ai mis en bocaux à 13 heures, là. 3 beaux pots. Hein. Confiture de coin à la cannelle. Je lui ai envoyé une petite photo. Donc, merci encore pour les coins. Alors, Arnaud est en phase de vieillissement sur son BT7. Ah, génial! Jean-Philippe travaille sur son Panther type G. Philippe travaille sur son Aishival de chez Asegawa 148. Floppy monte la tourelle de son T80. Francis, je fais la voiture de K2000. Ah oui, d'accord, la série là. Ok. Moi, je bosse sur le même modèle, mais ce sera la déco Miss Molly. Donc, il fait sur le Tomcat aussi. Clément, j'ai un Messerschmitt 1.48 de chez Edward que je vais bientôt commencer. Tu en penses quoi? Ils sont superbes, ils sont géniaux. Les 109 de chez Edward, ils sont top. Didier Lambs travaille sur sa scénette, pardon. Philippe, j'essaie de finir pour notre salon de la maquette organisé par notre club de MCK de Rélec-Cartuo. Bon, ça, c'est en Bretagne. Les 21 et 22 octobre prochains. Génial. Génial. Bon, bah c'est bon, tout le monde a sa petite occupation. Sympa cette mousse là, elle est sympa, elle accroche pas trop et elle ne griffe pas, tu vois. Donc du coup, quand tu vas enlever juste une petite ligne de structure, là, c'est très bien. Ouais, très bien. Alors, si j'ai tout compris, on colle ces deux-là l'un en face de l'autre, right. Ok. Alors ça, c'est les deux pylônes qui vont porter des armements sur le côté du Tomcat. Je vais vous montrer après l'emplacement. Je peins l'aéro Jabba the Hunt. Oh, génial! Gino, pré-ombrage du B109 G10 de Revelle. Gérald, le Panzer Mini avec perso. Yann travaille sur un MiG 15 au 1,72 de chez Edward. Salut Papa Hotel. Papa Hotel, moi j'ai un 1008, donc un hélico, un Yak 3 et un 1035 de chez Zvezda 148. Dominique, et moi je travaille sur le BF 109 G6. Pas de photo, mon ordinateur n'accepte pas mon portable. Windows 7. Oh, c'est toi qui as encore le Windows 7? Il paraît qu'il y en avait un ou deux en France. C'est toi alors? Garde-le, garde-le, tu vas pouvoir le vendre. Chez un antiquaire bientôt, tu vois. Cocolle. Ouais. Voilà, bon. Et puis ça alors. Tac, tac, tac. Ah, ok. Ça, ça fait ça, et ça, il faut que tu le mettes comme ça. Right. Voilà. Voilà, donc ça, ça va venir, les copains, ici, là, tu vois, bon, l'autre côté, toi, tu vois, comme ça, mais hop, voilà. Alors, il y en a deux, un à droite, un à gauche, évidemment. Là, on va terminer, on va compléter celui-là, il n'est pas encore tout à fait fini, parce que maintenant, il faut rajouter E21 et E22 en dessous. Alors, on prend les deux E, là. E21 et E22, c'est bien ça, hein? E21 et E22, yes. Torex commence un Polikarpov de chez Zvezda. Mon épouse est russe, ah ben, comme la mienne, hein? Elle est décédée malheureusement, mais... D'origine russe, elle est née en France, mais d'origine russe. Rico, bonjour Didier, le plastiqueur, je travaille sur la gravure de mon Corsair en 1,72. Yes. Mougli, je monte le Transal de chez Revelle. Oula, comment il se monte celui-là, Mougli? Il se monte bien? Thomas, coucou de Cherbourg, bienvenue Thomas. Michel Gauthier, il travaille sur le... Ok. Et David sur le F-18 de Chervel. Parfait. Ah, il y a des petits trucs chez... Allons voir, allons voir. Algoflash, la peinture interne avance bien, le Stuka 3 donc, hein. Même trop bien. Ajout de divers éléments, grenade à manche, œuf, caisse MG, clutch pistol, douille MG. On peut pas dire que ça avance, ça j'avance jamais trop bien. Très sympa. Oh oui, oh oui. Plus je t'habille en peinture, Algoflash. Hein. Et plus tu fais des kits, hein, tu vois, je te suis depuis un bout de temps quand même. Plus tu montes des kits, plus tu touches ta bille en peinture. Hein. Ah ouais, chouette, chouette, chouette. Hein. Très, très chouette. Bravo Algoflash. Et Emilien, première des trois couleurs terminée. Ah, tu peins avec les ailes à part et tout, ok. Nickel. Bah écoute, parfait, t'as mis les... Yes, tu les as mis comme moi, parfait, c'est très bien. Génial. Bah écoute, tu nous feras voir quelques photos au fur et à mesure de l'avancement. Frédéric, coucou de Cuts, C-U-T-S. Alright, bienvenue à toi. Je commence le Guns Bunny, donc c'est un B-17 si j'ai pas de mémoire, non? De 72 de chez Edward. Salut Maquette, by Olivier Albec. Comment tu vas Olivier? Bah ici tu vois ça va, on maquette tranquille. J'ai demandé du blues, c'est pas vraiment du blues, ça, hein, les cocos là, je sais pas ce qu'ils font là, chez... Si ça c'est du blues, moi je m'appelle Yvette Order. Voilà. Mougli, il y a pas mal d'ajustements, mais je suis habitué à Tamiya, c'est peut-être ça le problème. J'ai hâte de commencer le nouveau kit du P47 avec la Jeep de chez Tamiya. Ah, génial! J'avais reçu 3-4 kits comme ça chez Tamiya avec, ils ont fait toute une série d'avions avec les petites voitures, les petits véhicules. On va faire les revues là d'ici fin octobre. C'est une très bonne idée ça de chez Tamiya. Parce que les maquettes sont vraiment pas mal. Et avec un petit véhicule, tu vois, à côté, c'est vraiment chouette. Salut Patrice! Tu vas bien? Papa Hotel, j'apprécie beaucoup cette chaîne, je suis mécanicien aéronautique, j'ai travaillé sur Hurricane, Sea Fury, Spitfire MK19, Stilson Aurelian, Beechcraft 17, sur des vrais, si je puis être utile. Ah bah oui! Alors oui, tu sais, Papa Hotel, nous ce qui nous intéresse, quand on a la chance de tomber sur un gars comme toi, qui a été mécano, ou tu vois, d'autres, hein, il y a des pilotes aussi, etc. Bref, c'est des photos. C'est des photos. Nous, les maquettistes, tu sais bien, hein, tu es maquettiste aussi, c'est les photos qui nous intéressent. Donc si tu as un stock de photos sur tel ou tel appareil, partie interne, externe, peu importe, si ces photos ne sont pas classifiées, évidemment, hein, s'ils sont autorisés à être publiés, tu peux me les envoyer. Et moi, j'ai sur mon site www.plasticdream.com, j'ai ce qu'on appelle une photothèque. Tu verras, il y a un petit bouton bleu en haut, photothèque. Et on fait des dossiers comme ça quand un des maquettistes qui est chez nous, Plastic Dream, peu importe, bon, bref, qui veut monter voilà, un Spit 19, un Sea Fury, un Weekend, bref, et ben il a des photos de référence extraordinaires, tu vois, c'est génial. Voilà, ça peut nous aider pas mal. Micha va et Titi va bien, Mich va bien. Alors Cuts, c'est un petit village dans l'Oise. Ah, C-U-T-S, ok. Qui se prononce comment? Cuts? C'est justement la musique est forte, mais oui, mais c'est pas moi, c'est le musicien là. Oh! Ah, les mecs ils se croient, ils se la sentent plus péter là. On va changer d'orchestre. Mais oui, mais attends. Mettons un peu de salsa. Et voilà, et tout de suite ça danse. Tu vois? Voilà, je sors dans la peau, moi. Je suis pour rien. Un petit coup de bignou à bretelles. Bon, on met un petit coup de... Après, j'ai du bignou à bretelles ou pas? Ouais, j'ai un petit peu. Bon, on mettra après. Ouais, t'as raison. On met d'abord un peu de salsa, puis après... Bon, je prononce bien Frédéric, donc c'est bien. Voilà, par contre, je peux remettre un peu de son, non? Voilà, il faut attendre un peu quand même, quoi. Voilà, bah là, elle pleure parce qu'elle est triste, elle est amoureuse, et puis ça se passe pas bien. Bon, voilà, ça, et puis du coup, on va mettre ça en dessous, paraît-il. Michel, je voulais dire sur le Panzer 2 au 135 de chez Academy. Ok. Alors Michel, si tu peux, c'est pas obligatoire, attention. Hein. Si tu peux ne pas écrire en majuscule. C'est dans les chats partout, hein, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en général. Quand tu écris en majuscule, c'est synonyme que tu cries. Et d'ailleurs, un jour, si tu es dans un chat et que tu veux te faire entendre, parce qu'on ne t'écoute pas ou on ne te lit pas, tu écris une phrase en majuscule et généralement, les gens enfin, tu vois, te liront un peu mieux. Des photos, ces avions sont les avions des clients. Mais je peux les publier sans montrer l'immatriculation. Oui, ou même moi, je les effacerai, ou tu les effaces toi-même, ou... Enfin, tu vois. Merci, Papa Hôtel. Du vrai, pas de la musique bretonne. Bah, dis que, tu sais, je suis abonné à une chaîne, je te l'ai dit, hein, un site pour diffusion de musique sur YouTube, là. Ça me coûte 15 balles par mois, quand même. Il y a différentes playlists. Je sais pas s'il y a une liste bretonne, vraie musique bretonne, et pas de la gneugneu. Je sais pas. André, je me suis procuré le Leclerc de chez Tamiya, ça m'a l'air d'être quand même tout bon. Oui, Tamiya en règle générale. Ça se passe bien. Comme par exemple, vive les chars. Oui, voilà, c'est ça. La voisine a fini le marteau? Yes, elle a fini le marteau. D6, D7, P9. On recommence hein, avec le D6, D7. Là, on a fait le droit, on va faire maintenant le gauche. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus, enfin bref. On va faire l'autre côté. Puis Floppy s'est acheté un petit char. Tu l'as pas dit, Floppy, ça, aux gens? Hein? T'as pas dit aux gens que t'as acheté un petit char, là, portant de ta pelouse, là, avec une hélice d'hélicoptère en dessous? Tu as mon adresse, Papa Hôtel, hein, elle est facilement trouvable sur mon site, hein, admin@plastikdream.com. Salut Rémi. YouTube veut pas polluer son réseau à foutre de la pseudo-musique bretonne. Là, tu te débrouilles avec Dick. Hein. Réglez ça entre vous. Moi, j'aime bien la musique, voilà, bretonne. Mais la seule que je trouve, c'est de la musique un peu, c'est de la musique celtique, quoi. Tu vois? Alors après, est-ce que la musique celtique, c'est de la musique bretonne? Ça, c'est un débat. Hein, c'est pour ça que j'ai mis la salsa, là, le temps qu'on termine le débat. Salut Xavier. Alors j'ai déjà reçu à peu près une quinzaine de dossiers pour le concours Plastik Dream 2023. Pardon. Je vous rappelle que la date de clôture, c'est le 15 décembre, hein, donc on a encore le temps quand même. Hein. C'est pas non plus... Mais j'ai déjà reçu oui, une quinzaine, vingtaine de dossiers. Essayez de ne pas tous me l'envoyer le 14 au soir, parce que ça va me faire un boulot, vous imaginez, monstrueux après, parce que chaque photo, il faut que je l'édite, que je mette le nom dessus, et patati et patata. La vraie samba, c'est Carlos Santana, que je connais même pas. Salut le Québécois, Claude Amigo, non. Ah, mais de quoi tu parles? Tu sais, Claude, quand tu mets non comme ça, moi je le lis 30 secondes après. Donc dans la conversation, on est déjà... Je peux pas savoir à quoi tu fais référence. Hein. Claude, c'est quoi ta vidéo qui a le mieux marché? Eh bien, c'est les vidéos de l'aréographe, tu sais, exercice numéro 1, aréographe, choses comme ça. Exercice de peinture à l'aéro. C'est celle qui a... Oui, je crois qu'elle doit être à 100... Ceux-là, elles sont à un peu plus de 100 000 vues. 130, 140, je crois 150 maintenant. Il y a longtemps que je n'ai pas été voir, mais... Pour une fois, je suis pas à la bourre. Bah, on est en direct depuis... Ça fait 1h30, ouais. Donc, mais non, t'es pas à la bourre, ça va. C'est atelier porte ouverte, donc tu viens quand tu peux. De toute façon, il y a le replay après, si jamais vraiment tu veux regarder. Au début, on a fait 2 revues de boîte. Donc, il y a eu plus d'une demi-heure où... on faisait des revues de boîte, quoi. Ouais, elles sont sympas ces petites mouches là. Ah oui Rémi, pardon, oui. Ok, d'accord. Bah tu sais, j'ai du mal, hein. Ce qui a le plus marché, les revues de boîte. Oh non, les revues de boîte, c'est les vidéos qui marchent le moins bien. Hein. Excuse-moi Didier, mais Carlos Santana, tu connais, c'est obligé. Au moins, aux 3 chansons, tu regarderas pas bien. Oui, mais il fait pas de salsa, de samba. Carlos Santana. Alors, E22, E21, toujours dans les E, on va mettre au fini cette partie-là. Voilà. Ah ouais, je pense comme un avionneux. Olivier, quel avion fais-tu, cher Didier? Je fais un Tomcat, un F-14A au 148e. Voilà, donc là, les deux pylônes sont prêts. Zou. Tu vois, et ils vont être posés... et bien ici mes amis, voilà, tu vois. Alors celui de droite ici, voilà, tu vois, comme ça là. Donc, et puis l'autre de l'autre côté, voilà. Bon, alors on va les laisser sécher bien comme il faut, on va vérifier, je vais enlever les bidons aussi sur l'avion là. Salut Toki. Promis, nous dit Rémi, en 2024, je me fais un avion, mais j'ai peur du carnage. Ah bah oui, si t'as monté que des blindés et passé aux avions, c'est là que le sérieux commence. Hein. Tu vois, voilà, c'est là que ça commence le haut vol. Olivier, moi je fais un U-boat au 1,72e. Bon, c'est gros ça. Salut Carpio, t'es en train de vernir ton SDKFZ 251? Ah. Alors, je pose ça à côté, on va continuer à regarder ce qu'on a encore à monter. La musique de Santana et de la samba rock, il faut sortir le dimanche. Je ne sors pas le dimanche. Et puis, non, moi, pour moi, la samba, c'est pas samba rock. Pourquoi pas la samba punk, non? Hein? Ou la samba... la samba punk. La samba, c'est la samba, c'est ce qu'on écoute là. Voilà. Alors, ça c'est fait. Voilà. Nous c'est ça, hein, c'est C2. On va même barrer là parce que ça me perturbationne. Alors nous on fait pas la CA. On fait pas non plus la D. Eh ben non. On fait pas non plus la AB. On fait ça. La C2. Alors ouais, les bidons, on les a montés, ils sont prêts, on a mis les aimants, tout ça, c'est fait. Ok. On aura des petits, sortons notre petit stabilo. Ah, Floppy, tu nous as mis une petite... Alors là, on aura des petits autocollants à les mettre. Hein. On va les stabiloter pour s'en rappeler au cas où on oublierait. Voilà, on a celle-ci. On a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci. Celui-là, je pense pas, parce que moi, je fais pas les checkmates. Donc, c'est pas bon. Bref. Les Sidewinder, il n'y a pas grand-chose à monter. On peut peut-être... je regarde, hein, s'il y a d'autres trucs à stabiloter. Yes, il y a deux ici. Clac, et deux ici. Clac. T'inquiète pas, je fais un Rafale 148 pour la prochaine fois. Ah, cool. Papa Hôtel, j'ai un problème. Pourrais-je, avion, l'adresse mail par écrit? Je n'arrive pas à envoyer des photos. Je dois faire des fautes dans l'adresse mail. Ah là 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 là, les jeunes, hein, vous savez, hein, c'est dur, on en chie quand même. Hein. Alors, on va mettre ça là. Ouais, bouge pas. Alors. Parce que Plastik Dream, c'est écrit partout, hein. C'est écrit Laro, c'est écrit... Bon bref, je la mets. Alors, admin, alright, arrobas, plastikdream.com. Voilà. Tu as l'adresse exacte, là, dans le chat qui va apparaître. Rémi, surtout que je n'ai pas touché une maquette depuis le début de l'année, je suis encore dans le concours. Dans le concours Army, je ne sais pas ce que c'est. On parade à rendre pour novembre, ça va être super chaud. Ok. Ah, ça, Rafale M, Olivier, ok. Je viens de passer une heure, nous dit Philippe, pour le masquage de mon BF 110. Il manque une couleur à passer. J'ai fait une légère pause et je passe la peinture. Il faut peut-être pas être allergique au masquage sur ce modèle. Oui, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure. Parce qu'on a fait la revue du Stuka, là, et la verrière, c'est un peu pareil. C'est des verrières en cage d'oiseau, c'est très long. Ça va le vieux. Alors, à qui il nous parle, Olivier ? Bon, bref. Ok. Donc, on va peut-être monter les Sparrows et les... Enfin, il en faut deux. Hein. Nous, tu vois, là, on est ici, là, c'est deux. Voilà, voilà. Donc, on a... Hop, c'est deux. On a deux Sparrows et deux Sidewinder. Les bombes, on les a fait. Les MK82 de 500 pounds. 500 livres. Donc on va faire les deux, voilà, et après on va faire les deux dérives. Il y a deux pièces à coller. Ça, on a tout fait, ça. Après, on va faire les casquettes, là, étape 39. On va coller les deux plaques, la E27 sur le 1, alright. On va faire les deux casquettes. On va pas faire les pitots, je les mets vraiment à la fin. On va pas faire les antennes, on va tout mettre à la fin, les antennes. On va attaquer le masquage des verrières, bien évidemment. Puis après, les barres d'attaque des ailes, les volets. Ah, il y a encore du taf. Hein, faisons les Sidewinders. Dans les premiers albums, on retrouvait un peu de samba, mais Santana, c'est du rock fusion, inspiré latino, très loin de la samba traditionnelle. Ah bah oui, il y a des kilomètres. Army en parade, c'est le concours Warhammer. C'est un gros diorama et tu mets toutes les figurines que tu as fait depuis le début de l'année. Je me rappelle que tu avais quelques Space Marines. Ouais, ouais, j'avais acheté ça et j'avais peint pour m'entraîner à la peinture, les figurines. C'est pas mal, hein, c'est chouette de faire ça. Alors, Floppy, reprise du montage de la tourelle de mon T-80. Il n'y a même pas un seul avion sur son atelier, là, regarde. Que des roulettes. Ah, il y a du boulot là-dessus, hein. Gérald, en attendant que le reste sèche, je dégrappe mes Star Wars. Sympa, pouvoir faire un petit diorama sympathique. Bon, alors, c'est quelle pièce ça? Là, il y a toutes les explications pour les décales. C'est les pièces Z, donc ça doit être une seule grappe. Il doit y avoir une grappe qui... Voilà. Elle est où la grappe Z? Elle est là? Yes. Elle est encore emballée, on ne l'a pas encore ouverte. Voilà. Alors. Ah ouais, j'aurais bien aimé mettre les gros trucs là, mais bon, c'est pas la bonne période. Alors, on en fait deux, Z11 et Z3. On y va. Et Z3 qui sont ici les deux. Rémi, j'adore ton atelier. Il a caché les avions, tu crois? Pas un avion, pas un morceau de tarte, la misère. Ouais. Ah, il en a mangé assez. Ah non, remarquez qu'il n'a pas mangé un bout de tarte, hein, Floppy. Ah, un seul morceau, il a mangé. Z12. Et après Z1. Et Z18. Attends, je ne dise pas de bêtises. Hein. Z1. Alright. Et là, il m'en faut combien? Il m'en faut 4. Salut Balou! Salut petit gros! Il est au régime, Floppy? Non, pas au régime, mais il fait attention quoi. Ce qui est bien, hein, je suis très content, je suis très fier de lui, mon petit Floppy. Il prend soin de sa santé. Il s'est acheté un petit truc là, il marche, il fait des kilomètres et tout. Hier il a pris qu'une seule portion de tarte. Il mange des légumes. Impeccable mon Floppy, impeccable. Voilà, donc un petit Sidewinder. Il ne manquerait plus que je fasse des avions. Mais non, mais attends, t'as encore une longue carrière de maquettiste, on ne sait jamais. Hein. Tu vois? Peut-être que dans 20 ans, t'en auras ras-le-bol des... Tu les auras tous faits, tu vois, les blindés et tout. Bah, tu me diras, bah voilà. Attends, je vais faire un petit peu des avions. Troquis, moi aussi je suis de régime, je ne mange plus qu'une seule portion de frites par jour. Ah, moi là aujourd'hui c'est bouillon de légumes. Je m'en suis fait un ce matin, donc j'ai mangé le bouillon avec un peu de légumes ce midi, et ce soir je termine bouillon avec un peu de viande d'ox. des bons légumes bio là. Navets, poireaux, un peu de patates, des carottes, du céleri. Tu feras des fautes des motos, Floppy. Non, je te dis, il va faire des avions, tu vas voir. Il va y arriver. Et s'il n'y arrive pas, j'irai lui donner des cours particuliers, hein, pour lui. Salut Mo, Xavier, c'est vrai Floppy, bientôt on va avoir la dictature de l'avionique. Ah bah. Ça dépend où tu te mets, hein, Xavier. Si tu vas sur. Si tu vas sur par exemple Night Shift, la chaîne de Night Shift, c'est la dictature des blindés, hein, donc voilà. Voilà, donc un petit Sidewinder. Hop, mettons-le de côté, faisons le deuxième. Ton bouillon doit être délicieux. Oui, c'est bon, moi j'adore les bouillons de légumes. Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, je t'aurais dit non mais ça va pas, non. Et puis maintenant, bah tu vois, à force, ça fait 1 an et demi là. Enfin 1 an et demi, j'exagère, mais depuis ma crise cardiaque, mai 2022, donc ouais, bon 1 an et 4 mois quoi. Bah je me suis habitué quoi, j'apprécie quoi, les légumes comme ça. Et là, je suis content, ce matin, j'étais faire les courses, j'ai vu que ça y est, ils refont des choux cales, là. Ça commence à être la saison. Et ça, le chou cal, c'est mon petit péché, quoi. Rudy, salut Rudy. Toi, c'est les avions Floppy, moi, manquerait plus que je mange des légumes. Ah, Gérald, tu manges des légumes quand même, exagère pas. J'apprends beaucoup de choses sur ta chaîne, merci. Bah, je t'en prie, Rudy. Comment tu fais pour que ça ait du goût? Bon, déjà, il faut éplucher un minimum. Le seul truc que tu as besoin d'éplucher, c'est le navet et la patate. Tout le reste, la carotte, t'épluches pas. La carotte, tu la brosses. Les poireaux, évidemment, ça s'épluche pas. De l'ail, de l'oignon. L'oignon, tu peux l'éplucher, évidemment. L'ail, c'est pas la peine de l'éplucher. Il faut juste passer sous l'eau pour enlever les petites peaux, mais c'est pas la peine d'éplucher. Clou de girofle, baie de genièvre, sel, poivre, laurier, thym. Tu mets tout ça, départ eau froide. Coupé en petits morceaux, départ eau froide. Dès que ça bout, 35 minutes. Une fois que ça... Et puis, faut pas faire bouillir pendant 35 minutes. Quand ça bout, tu baisses pour que ça devienne des tout petits bouillons. Ok? Voilà. Ensuite, tu laisses comme ça à peu près 35-40 minutes, un tout petit bouillon. Après, c'est cuit. Après, tu couvres. Tu éteins le feu, tu couvres. Tu laisses comme ça 1 heure ou 2. C'est pour que les... Tu vois? Les sels minéraux, les machins, tout ça, ça se mélange bien, tout ça. Et après, voilà. Rien que le bouillon... Le bouillon comme ça sans légumes, c'est super. Puis après, il faut manger le, faut manger aussi les légumes, évidemment. Hein. Tu vois, un petit peu de viande ox. Après, le bouillon, tu peux aussi le faire chauffer, réchauffer le lendemain. Tu mets un peu de vermicelle dedans, des choses comme ça. Ou du tapioca. Et tu arrives à des trucs, c'est vachement bon. Puis pour le corps, c'est bon. C'est le genre de repas, quand tu fais un repas comme ça le midi, le repas, il se digère tout seul. T'as pas besoin de t'allonger dans le canapé avec le ventre gonflé. Tu vois, t'as envie de dormir. Non, non, non. Tu manges un bol de ça, tu peux aller faire un jogging après, hein, c'est bon. Hein. Ça digère tout seul. Et ça, pour le corps, c'est vachement bon. Hein. Si tu fais ça de temps en temps, pendant 3-4 jours, tu as des bouillons légumes. Pour le corps, c'est excellent. Un choucal, oui, en fait, c'est le chou, S-H-O-U-X, plus loin, K-A-L-E. C'est un truc un peu asiatique. C'est très bon. On enlève la grosse nervure principale, c'est tout frisé, des longues feuilles comme ça. Tu peux les manger crus si tu les coupes très fins, mais moi je les coupe un peu, tu vois, des bandes de 2-3 mm quoi, au couteau. Tu fais revenir ça avec un peu d'huile d'olive dans une poêle à sauter style wok, tu vois, un petit peu d'épices, pour pas que ça soit cru, tu vois, tu fais revenir comme ça, hop, 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 dans l'assiette. Oh là là là. Puis ça pareil, pour le corps, c'est... du top de top. Top de top. Comment cuit-on le butternut? Alors le butternut, c'est une espèce de grosse courge de différentes couleurs. Bon, alors il y a plusieurs façons de la cuire. La façon qui est très très goûteuse, comment il s'appelle notre ami qui me demande ça? Antoine. La façon qui est assez goûteuse, c'est... Alors, Alors, généralement, ça ressemble à une grosse cacahuète géante. Tu vois, une grosse cacahuète, la forme, hein, pour donner la forme un peu. Tu la coupes en deux dans le sens de la longueur. Ok. Tu l'épluches. C'est très dur à éplucher. Attention aux accidents. C'est pour ça que dans les ménages, on ne fait pas beaucoup de butternut parce que c'est tellement galère à éplucher. Ok. Alors, je vais te donner une recette pour que pas la peine de l'éplucher. Tu la coupes en deux dans le sens de la longueur. T'enlèves quand même les graines. Okay. Une fois que tu as enlevé les graines, à l'intérieur, les deux parties, donc, tu vois, tu les as devant toi comme ça, les deux... Oh là 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 là. Attends un peu. Tu as les deux parties devant toi comme ça, posées, là, tu vois, voilà. Tu les assaisonnes bien à l'intérieur, sel, poivre, vas-y, vas-y. Tu les refais, tu les reformes, tu les remets ensemble, et tu enveloppes le tout dans du papier aluminium. Une couche ou deux. Tu mets ça dans le four. Tu vois, un four à 200, bon, 190, 200, 210, tu vois, ces deux-là, tu vois, et tu le laisses une bonne heure. Là, après, quand tu vas le sortir, tu fais attention en l'ouvrant, c'est du papier alu, c'est une cuisson papillote, il y a un jet de vapeur qui va sortir, tu fais attention. Tu ouvres, tu vas voir que l'intérieur est tout cuit, tu peux, la peau, elle est restée dure, mais tu peux l'enlever avec une cuillère à soupe, tu vois, voilà. Tu passes ça dans une assiette, un filet d'huile d'olive, sel, poivre. Oh, après il y a la soupe butternut. Là il faut l'éplucher complètement et la cuire voilà, dans un liquide, un peu de flotte avec un peu de patate. Tu vois, et là aussi tu peux faire une bonne soupe. Pour que la soupe soit meilleure et que le goût du butternut ressorte, c'est que quand tu as tout mixé, il faut mixer ça avec un peu de crème fraîche. Une pointe de noix de muscade. Et là, paradis direct. Salut Yann! Des légumes, oui, des patates. Non, c'est pas des légumes, patates. Madame veut le faire manger des brocolis et des autres trucs verts. Ouais, bah, les pâtes et les patates, c'est pas des légumes. Bah, tu marqueras sur ta pierre tombale, Gérald. Je n'aimais pas les légumes. Didier, il faudra lui donner des cours de cuisine. Bah, j'en donne de temps en temps, tu vois, là, je vais être t'enfiler un, là. Tu peux t'allonger sur le canapé, quand même. Ah oui, après le bouillon de légumes, tu peux, si tu veux, mais t'en ressentiras pas le besoin. Tape-toi, parce que généralement, ouais, me raconte pas de trucs, Nick. Hein. Quand on s'allonge sur le canapé, après le repas, c'est parce qu'on a mangé 3 côtes de bœuf, 3 kilos de frites, 2 litres de bière, et là, on peut plus bouger, on se met sur le canapé, et hop, on s'endort. Là non, là t'es tout léger, tu peux partir courir après le bouillon de légumes. C'est plus Didier, c'est Baïté, ouais. En moins gros. Bah oui, t'as pas mettre du gruyère râpé dans le bouillon, attends. Et quand tu as un corps de rêve, bah tu l'entretiens. Ça va l'entretenir. Salut Stéphane, petit coucou de Brest. Bienvenue à toi, salut Didier. Désolé, j'ai dû faire une mauvaise manip car j'ai le son d'une chaîne sur la cuisine avec la vidéo sur la maquette. Non, je ne veux pas faire de chaîne de cuisine, j'ai déjà assez de boulot comme ça. Ouais, en gratin aussi, c'est bon. Hein. Salut Philippe, oui, je vais bien. Voilà, on continue. Là, puis ça va être la saison, butternut, tout ça, là. Le mois d'octobre, à la fin du mois, c'est Halloween, là. Hein. Donc, les citrouilles, les machins, les butternuts, tout ce qui est courge. Hein. Tout ce qui est chou, de toute façon, l'automne, c'est ça. Puis après, il y a les endives qui vont revenir, là. Ah, les endives. Les chicons. De rien, Antoine. Par chance, je suis taillé en V, mais inversé. Voilà. Voilà mes deux Sidewinder prêts à faire feu. Ça va chier. Maintenant, il nous reste les deux Sparrows. Endive au jambon, bah les chicots gratins, bah oui hein. Philippe, les légumes c'est important pour la santé, ça m'a coûté cher, bah ouais ouais, c'est pour ça, Gérald, hein. Attention mon petit, hein. C'est nul allô machin, comment ça c'est nul? Salut Dominique. Par sang, je suis taillé en V, mais inversé. Le barbecue, c'était hier, saumon fumé avec du bois mariné au rhum. Oh, bah là, c'est du vice, ça. Attends. J'ai suivi tes conseils hier, j'ai rectifié la limite de l'olive drabe et de l'aluminium pour Mazarana, c'est déjà mieux. Ah bah, génial, top. Les endives au jambon, le pied, bah c'est génial. Ouais. Les endives crues aussi, ouais, voilà, croquefort, noix, voilà, vinaigrette, c'est sympa ça. Voilà, j'ai mis le pouce. Chez Bon Chat, yes, c'est bon. Ah, il y a une petite photo de notre ami Carpio qui nous a mis encore une magnifique photo. Accrochez-vous les copains. Regardez-moi ça. Très beau véhicule, belle patine, belle photo pour pas gâcher la chose. Superbe. Ah, le machin Halloween, ok, j'avais pas compris. C'est nul Halloween, c'est sympa, c'est l'ambiance qui est sympa. Après moi hier, tout ce qu'il y a derrière, comme tu vois, comme message, machin, tout ça je m'en tape. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est la bouffe déjà, c'est mes petits-enfants, c'est décorer la maison avec des petits trucs, tu vois. Ouais, ce petit sentiment de fiesta, quoi. Voilà. C'est assez rare en ce moment de s'amuser, de faire un peu la fête, alors on prend ça à l'occasion. Très sympa Carpio, bravo, bravo, bravo. Alors SDKFZ 251, après le vernimat. Très très chouette. Allez, on va monter les petits Sparrows. Alors les Sparrows, c'est Z13. Faut en monter deux également. Hein. Déjà, arrêt de la clope et yoga, alors légumes, on verra plus tard. Ah oui, mais c'est un tout, Bilout. Je sais bien que c'est dur, hein, Gérald. Voilà, ensuite, Z19. On va d'abord mettre le Z19 sur les deux là, parce qu'après on mettra en dernier, on mettra les ailettes. Salut Philippe, je pars au pub avec ma femme. Ah bah génial, bois un coup à notre santé. J'ai envoyé certaines photos du Hawker Seafury à l'adresse mail. Oh, génial. J'irai voir après. Je ne peux pas les voir maintenant, Papa Hôtel. Je te remercie. Je te répondrai par mail. Bon, les gars, bonne nouvelle. Je pars m'installer avec mon compagnon à Rouen d'ici la fin de l'année. Oh, génial, Dominique. Quoi, vous avez trouvé du taf? Pourquoi vous changez de ville? C'est là qu'habite ton copain, peut-être? Sympa, ça, toujours, de déménager, d'arriver dans une nouvelle ville, tout ça, nouvelle maison, nouvel appart, c'est sympa. Bon Dick, tu nous mets un peu de musique celtique là? Tu t'en occupes, tu fais le DJ? Allez, vas-y mon Dick, éclate-toi! Alors là, je sais pas, c'est pas celtique ça? De moi là. C'est pas du tout celtique. Hein. Ouais. Voilà. Nous voilà en Bretagne. C'est simple, le X22, oh bah ouais, c'est la base. Je prendrai des légumes quand je me mettrai aux avions. Oui, oui. Oh bah c'est pas pour moi, tu sais, moi ça tout va bien. Ok, merci, pas facile, il y a des photos assez lourdes et comme je ne possède pas d'ordinateur... Ah, tu envoies tout de ton téléphone? Oui, tout à fait, je verrai à ce moment s'il existe là-bas un club de maquettistes à Rouen. Ouais, je crois qu'il y a des trucs sympas à Rouen. Je crois même qu'il y a un magasin, qu'il y a un shop. Si j'ai bonne mémoire. J'ai du Denès Prigent. Bah ouais, mais c'est copyright. Ouais, ouais, ouais. Moi, il faut que j'ai du copyright free, tu vois. Ou alors, il faut que ça soit sur mon site, là. Alors après, ils ont un petit moteur de... Pas un moteur de recherche, mais... je peux cliquer sur, enfin, rechercher musique bretonne, par exemple. Voilà, là, je vais taper Bretagne. C'est ça? Bretagne. Est-ce que j'ai des trucs en Bretagne? Bretonne. Il y a deux T à Bretonne? Non, il y a un côté. Hein. Bon, on me propose plusieurs petits trucs, là on va écouter ça. Celtic ne veut pas dire breton ou britannique. Celtic sur le Celtic. Oui, bah oui, mais ouais, j'ai pas le choix. Voilà, quand je tape Bretagne, il me met des trucs comme ça, tu vois. Qu'il y a, c'est du celtique, les gars, donc il faudra vous en contenter. Cherche musique celte. Bah c'est ça que là, toi, lorsque tu écoutes, là, c'était une playlist où j'avais tapé musique celte. Alors c'est un site, c'est très connu, hein, c'est le site, comment il s'appelle déjà, Epidemic Sound. 90% des youtubeurs, ils se mettent là-dessus, ils prennent un abonnement là pour avoir leur musique. Mais c'est un site anglophone. Hein. Donc je tapais Celtic Music. Et voilà ce qu'ils m'ont, vous écoutez là, ce qu'ils m'ont répondu. Quoi. Ça va, ça le fait un peu, c'est un peu celtique, c'est un peu, tu vois. les Sparrows, qui sont, comme vous le voyez, un petit peu plus grands que les Sidewinder, évidemment. Hein. Donc là, on va faire rentrer en action mon aspirateur. Hop là! Magnifique. Bon! Alors, mettons le Z17 maintenant. Et il faut en sortir 4. Right. Bah, ça tombe bien, il y en a 4. Hein. Z17. Voilà. Et ça, on les met ici au centre. Floppy. Attends, faut que j'écrive un petit message à notre ami Floppy qui est sur... Attends, bouge pas. Ah, Floppy, tu dis à Aude, oui. Je suis intéressé. Alors, attends. Il est où le compte Christophe Floppy? J'écris un petit message à Floppy, j'en ai pour quelques secondes. Voilà. Bon, continuons. Petit groupe, pour info Didier, j'ai des amis maquetteux thaïlandais qui parlent français, qui te regardent parfois, ta célébrité est mondiale. Ouais. Oui, j'ai même reçu des messages d'un... Ah, d'Afrique, là. Je sais plus où c'était ça, mais un pays aussi... Je suis étonné d'ailleurs qu'il y avait des Africains. Généralement, c'est pas... Alors le gars, il se plaignait, il disait que bon, il n'y a aucun magasin de maquettes, aucun... rien de maquette là-bas, mais... Il faisait de la maquette, il regardait Plastik Dream. Au fin fond de l'Afrique, là. Salut Olivier, heureux. Alors, on continue les petits Sparrows. La vie, ça saute bien droit. Là, maintenant on va mettre les ailerons arrière. Oui, tu as raison, Floppy. Alors, à l'arrière, c'est les Z18. Donc, allons coller, chercher les Z18, qui sont les 4 ici. Hop. Hop. Alors ça, pour les tenir pour la pâture, je vais percer un trou. Là, tu vois, ils s'attachent ici, là. On voit le petit plot. Je vais percer un trou à côté, mettre un cure-dent. Et puis comme ça, quand on va les mettre en place, on ne verra plus le petit trou, évidemment, tu vois, pour bien les tenir. Voilà, peut-être penser ici, on n'a pas bien fait ici. Voilà. On va remettre là, ici. Oui, c'est ça, Papa Hôtel. Ouais, il est sympa le T-80 à monter là. Il est très sympa. Hop. Voilà. On va finir celui-là. J'ai oublié d'enlever le petit... Voilà. Bien faire gaffe que toutes les ailettes soient bien à 90, hein, tu vois, que ça soit correct. Yes, voilà. 2 Sparrow et 2 Sidewinder. Roule ma poule, ça c'est fait. Alors on va attendre que les ailettes soient bien sèches pour repenser un peu, revoir après s'il y a des petites traces et tout ça, mais... Pour l'instant, on va les mettre là de côté, juste en face. Alors, qu'est-ce qu'on va continuer maintenant? Mes coucous. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. All right. Ça, il n'y a pas besoin, c'est pas pour nous, il n'y a pas besoin, 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 il n'y a pas besoin. Les casquettes. Ah bah non, les deux... Comment? Les petites... Les dérives, oui, les dérives. Elles sont là, les dérives. Cette grappe, elle est presque vide et je crois que les quelques éléments qu'il y a dessus, j'en ai pas besoin, c'était pour d'autres options. Je vérifierai, il y a la perche de ravitaillement là, puisqu'on ne l'a pas mis en place. Voilà, donc les dérives. On va nettoyer tout ça. Voilà. Salut Ludwig, tu vas bien? La forme. Oh, il y a quelques belles photos là, on va aller voir ce que c'est. Oui, on arrive, on arrive. Les Sidewinder, ici la direction infrarouge sur le système Furious. Oui, oui, on connaît ça, on connaît bien Papa Hotel, merci. Musique médiévale, c'est de la musique celtique. Tous les petits plots, d'attache. Voilà. Bon, on va coller tout ça. Alors, merci d'abord, c'est du Tamiya, il n'y a pas de risque, mais... peut s'aider aussi avec un peu de pince. Voilà, là aussi on va... Salut Ange! Ah si, c'est R2 Didier, comme tu dis. Parce que tu suis pas, ça fait 4 fois que je l'utilise en te faisant des clins d'œil, là. Mon petit aspirateur. Voilà, puis ça, une fois que ça sera bien fait, là, bien sec, eh ben, il faudra travailler un peu l'arrondi, là. Voilà, une dérive. Ouais, exactement, Rémi, t'as raison. Je le fais aussi par automatisme, hein, j'ai tellement l'habitude de... Tu vois. Puis des fois, il peut y avoir un petit défaut dans le moulage, ou tu vois, enfin bref. Puis ça coûte rien, hein, de tester. Comme là, tu vois, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, c'est moi, peut-être, hein, sans doute, j'ai la mauvaise pièce ou je sais pas quoi. Ou alors, je me suis gouré de trucs. Eh ouais, je me suis gouré. Attends. Putain, elle colle bien, la colle comme ça. Hein. Ouais, voilà. C'est cette pièce-là et cette pièce-là dans l'autre. Elles sont petites. Oui, c'est un F14 canard. Tu vois, voilà. De faire une minonderie. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu causes bien, Tristan? Le Tomcat avait une particularité, comme sur les planeurs, il y avait un brin de laine qui servait de billes et aiguilles et qui était collé soit devant le pare-brise au-dessus de la canopée. Merci Papa Hôtel pour ces petites infos. Dominique, je vais y aller les amis, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et au plaisir de vous retrouver au prochain live de Didier sur le forum. Ouais, à plus Dominique, ciao ciao. Puis bonne installation à Rouen, là, je sais pas quand est-ce que tu vas, mais... voilà, voilà. Les deux dérives, roule ma poule. Est-ce qu'on doit lester? Non, non, non. Pas la peine. Toki. Bon, voilà pour les deux dérives, qu'on va mettre de côté également, évidemment. On va pas les coller tout de suite sur l'appareil. Je vais voir si je les... peut-être les peindre à part. Parce que comme la jonction, elle est absolument parfaite, hein, quand c'est bien foutu, là. Je vais te montrer vite fait, mais... Tu vois, les jonctions sont tellement nickel, quoi, que tu vois, on peut les peindre à part pour avoir un meilleur accès ici à l'aéro, à la patine, etc. Donc pas de problème. Hop, allez, ça aussi on met de côté. Zou. Tigrou, Papa Hôtel a raison, on voit ce brin de laine dans les films Retour en enfer de la portale du chien de travail. Je vous tiendrai au jus. Oui, Dominique, n'hésite pas. Alors, la casquette. Avec la bille. Capot de cockpit, ils appellent ça, yes, d'accord. Bon. Alors, bon, déjà on va, on va lui mettre son petit nez ici, là. Il sert à quoi ce brin de laine? Bah, c'était un dernier recours pour la... pas la direction du vent, mais comment on appelle ça, le... quand il est penché, là. J'ai oublié le nom. Papa Hôtel va expliquer, tu vois. K6. Alors, la grappe K. Ça, normalement, tout ça, j'en ai plus besoin après. K. Ah, voilà, il a le K6. Donc là, il y aura une petite truc en plastique transparent, mais il faut le mettre, faut la mettre après peinture, évidemment. Hein? Et la bille, là, on va la peindre aussi verte, là, avec un vert transparent. Et on va peindre ça en même temps que la verrière avant. Voilà. Donc ça c'est la casquette avant. Qu'on va venir poser. Attends mon biquet. Là, c'est les trois, tu vois les trois petits trucs là. 1, 2, 3. Clic. Voilà, casquette avant. On va faire la casquette aussi. H10 et H36. Alors, venez là mes mignons. H10. Ça, c'est au milieu, là, tu vois. Ça, c'est les trucs qu'on avait vu sur le bouquin, là, où ils peuvent être en deux couleurs. Deux cuirs différents. Un cuir noir d'un côté, un cuir marron de l'autre. Voilà, et ça, ça va grosso merdouillot, comme ça. Voilà. Tu vois, ça serait sympa qu'on fasse ça aussi, la noire d'un côté, marron de l'autre. H36. Ah oui, tu enlèves 14 de chaque académie, mais là on est sur du Tamiya, Laurent. Tamiya, quand il faut lester, ils mettent les lestes avec et tout. Il y a le, enfin, toi dans la notice, il y a tout ce qu'il faut. Puis là, c'est le troisième que je monte. Hein. Les deux autres, je les ai pas lestés. Le nez, il remonte pas. Hein. Ouais, Tamiya, c'est pas de l'académie. Hein. sur le P38 Tam Tam, il faut lester, et ben il y avait le lest fourni dans la boîte et tout, sur la notice, expliqué, enfin tu vois, c'est pas... Ils font pas semblant, hein. Alors il y a une petite pièce à rajouter là-dessus, hein. Je le fais, hop, voilà, comme ça on est tranquille. C'est fait. Voilà. Hop. Voilà. On va aller faire un petit tour sur le Discord. On va boire un coup d'abord. Alors. Remonte, ça on avait vu. Alors, Dominique Perret, bonjour à vous tous, voilà mon petit dernier de fini. Oh, sympa. Très chouette ce diorama. Regardez les gars. Ceux qui ont le nez penché sur leur maquette, là. Regardez à l'écran comme c'est joli. Laurent, c'est vachement meilleur quand même, Tamiya. Oui, mais le prix aussi est meilleur, hein. Ça malheureusement, tu vois, c'est le double du prix, hein, de... par rapport à l'académie. Bravo Dominique, génial. Floppy, mon T80 va finir sur mon MAS 7410. Ah, disons, voilà, taille du bazar, hein. Un sacré engin, hein. Oui, cocaïne, mais je pensais à ça, tu me dis, là, c'est pour indiquer la direction du flux d'air. Mais... ouais, voilà, c'est ça, ouais, tu viens de l'écrire, là. Non, puis vu la vitesse du bazar, tu vois, le brin de laine, il t'indique rien du tout. C'est peut-être sans doute à l'appentage. Ou alors au décollage, en position, juste pour voir le vent, enfin tu vois, un truc comme ça. Appontage, il est en vitesse réduite aussi, peut-être, tu vois. Parce que sur un planeur, ok, bon, dans certaines phases, tu vois, mais ça me semblait bizarre. Oh la taille du bazar. Ouais, c'est énorme, hein, Floppy. Je vais faire le même type de camouflage. Ah, comme ça dans T80? Ah, yes! Ça va être sympa. Tu vas faire comment, Floppy, avec la pâte, là, la pâte MIG, là, pour le camouflage, ou tu vas faire ça avec de la bande cache? Bon, donc, nous avons monté les casquettes. Ça, c'est fait. Allons voir sur le... hein. Donc, on a dit que tout ce qui est pitot, tout ça, on met tout après. Par contre, on va mettre les deux petites trappes juste ici, là. OK? C'est les trappes qui se... tous les deux, c'est le même numéro, E27. Donc, allons-y, hein. Grappe E, elle est juste là. Salut Goth. Un joli camion pour mettre un avion sur la remorque. Ah, il l'a déjà fait ça. Oui, la patte. Ah ouais, c'est génial la patte, ouais. Brin de laine, symétrie de vol. Éviter de dégrader la finesse. Oui. Ouais, alors symétrie, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Bon, alors on va découper les deux pièces 27. On en a une ici. Et il y a deux grappes E, donc la deuxième est... Ah là 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 là. Bah elle est où ma deuxième grappe E? Allez go. Elle est là. C'est une aide primaire à l'appontage. Alors... Voilà. Magnifique. Très très bien. Bon. Ça étant fait, les tubes Python, on a dit on les mettait après, les antennes, etc. Au-dessus, en dessous, au-dessus. On les met après. La pointe au bout du nez, on la met après. Il n'y a aucun souci. Ça, on va les peindre à part, donc. Et les poser à la place, enfin en place à la fin. Right. Ok. Bon, oui, parce que la verrière va être fermée, évidemment, puisqu'il est au décollage. Donc, quand je vais faire la peinture, la verrière va être mise en place. Mais sans les sièges, sans rien à l'intérieur. Juste coller avec un peu de colle à bois, 2-3 pointes de colle à bois, pour que je puisse, qu'une fois que la peinture sera finie, que je puisse décoller la verrière facilement. Et ensuite, bien travailler le cockpit, mettre les pilotes en place, les sièges, les casquettes, les patatis, les patatas, et que je puisse bien nettoyer ma verrière, qu'elle soit vraiment translucide, nickel des deux côtés, pour la mettre en place au final. Ok. Voilà. Donc là, il y a la mise en place maintenant. Alors, je montre un peu. Je repasse mon petit coup là. C'est bien propre. Voilà. Les verrières. Donc, masquage des verrières, enlevage des lignes, etc. Il y a des petits décals à l'intérieur à poser. Parfait. C'est cette partie ici qu'on va peindre en vert translucide, là. Tu vois, en masquant tout le reste, évidemment, que cette partie-là. Alright. Et si on veut faire les choses bien, il faut le faire de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Hein. Donc on le fera de l'intérieur. Les masques, il y a deux petites choses, deux petits rails là à poser. On va travailler sur ça, les rails là. En premier, masquer l'intérieur de la verrière et les parties vitrées sur l'extérieur. Puis peindre une surcouche de XF1 suivie de la teinte du visage. vivent de la banque cash, c'est... Alright, ok. Ensuite, mise en place, la J5, ok. Toi, tu vois, toi, elle existe bien, la X23, donc voilà. Alors, attends, je calcule aussi pour les ailes, là. Ça aussi, pour la peinture, il va bien falloir calculer, parce que... Il y a toute une bande rouge là qu'il faut garder. Hein. Quelle heure il est? 17h30, eh, on n'est pas loin, hein. On est en direct depuis 2h50, là, pratiquement presque 3h. Hein. Je crois qu'on va arrêter là les amis. Hein. Et la prochaine fois on va reprendre ici là. Hein? Cool, cool, cool. Pour un petit dimanche après-midi, c'est sympa. Voilà, elle est sympa cette petite truc à mots là, hein, cette petite truc de ponçage là, chouette, content. Voyez-vous les gars, ça se termine aussi là, la petite séance maquette. Ça comme d'habitude, hein. Donc on a fait ça, on a fait les dérives, les Sparrows, les Sidewinder, voilà, les casquettes, hop hop hop, on range tout ça à la place pour que ça soit bien au sec. Voilà, c'est nickel, le petit patch, hein, impeccable. Alors que je commande la planche à C4, que je mesure bien la pièce en carton là. Et ben voilà, on va couper la caméra du haut, couper les lights. Hop là, voilà. Bon les gars, on va arrêter les orchestres, hein, c'est bon, hein, les musiciens, vous pouvez rentrer à la maison. Voilà, rentrez bien. Watering pour moi, vous n'avez pas terminé? Ah ouais, t'as raison. Il faut que je l'aille le reposer dans l'autre vitrine là-bas à la maison, dans le salon. Bon dimanche, yes, passez une bonne fin de journée les copains. Ok, et puis on se retrouve très bientôt, prochain direct, quand on aurait envie. Hein? Ok? Voilà. Bon courage pour ceux qui reprennent le taf demain, bonne reprise. Hein? Et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis à très bientôt les copains. A plus, ciao ciao ciao. Ciao ciao.